J'ai gagné 3000 abonnés. Comment est-ce possible? C'est juste imaginable. Vous êtes là, vous m'encouragez avec des commentaires juste incroyables. Je suis super contente. D'ailleurs, si vous faites partie de ces 3000 abonnés, merci, merci. Gros câlin. Mais si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. Vous pouvez le faire juste maintenant. Hein. On vous pardonne pas. Tu viens de découvrir ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Puis en fait, mon rêve, c'était avoir une communauté comme ça, juste folle et incroyable. Et bah, mon rêve est devenu réalité. Ah, c'est magnifique. J'aimerais vous informer, j'aimerais pas vous cacher des choses. Comme vous avez vu au début de cette vidéo, il y a eu une pub. Oui, parce que je me fais monétiser. Cet argent, elle sera pour YouTube, pour que je fasse des vidéos de meilleure qualité. Bah, c'est pour moi en fait, c'est juste pour aider ma chaîne YouTube. Juste énormément reconnaissance. On va commencer tout de suite cette vidéo, bienvenue. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, si vous n'êtes pas aveugle, pendant 24 heures, je vais manger la même couleur de nourriture. Pourquoi on n'aimerait pas cette vidéo? Je pense que ça va être très très dur, parce que, voilà, vous aimez me voir souffrir. On va choisir les couleurs tout de suite après, au hasard, pour savoir finalement quelle couleur je vais manger. Et un dernier petit message, le youtubeur Delaria a perdu sa chaîne de 10 000 abonnés à cause d'un petit problème YouTube. On ne sait pas pourquoi en fait, sa chaîne a été supprimée. Et donc, bien sûr, il a perdu ses 10 000 abonnés. Et là, il a recréé une chaîne YouTube. Il aimerait un peu d'aide parce que c'est super, t'es super dégoûté quand t'as atteint 10 000 abonnés. Et boum, ta chaîne, elle se supprime comme ça. En fait, tu comprends pas trop pourquoi. Vraiment, trêve de bavardage. Allez, c'est parti. On y va, on va bouffer. Au sort, donc je vais mettre les couleurs. Quelle couleur vous voulez que je mette? Donc vous allez pas répondre car je vais mettre rouge, bleu, orange, jaune, vert, violet, marron. C'est parti. On va faire lancer les tirages au sort. Comme ça, hein. Oh, vert. Oh my god, vert. Ça veut dire que je vais devoir manger de la salade. J'aime pas la salade. Vous imaginez manger un petit déjeuner vert? Ça veut dire que clairement je vais manger healthy. Là c'est simple, tout ce que je vais faire c'est aller sur Pinterest et rechercher des recettes vertes. Tout ce qu'ils me proposent pour des petits déjeuners verts, c'est des trucs genre pour mincir. Moi je veux pas mincir, je veux bouffer. Franchement ça a l'air pas mal. Voici finalement les recettes que j'ai choisies pour le petit déjeuner. Nous allons commencer avec un smoothie bowl. Pour le lunch, nous allons faire des crêpes. Pour le dîner, des pâtes vertes. Enfin, c'est pas des pâtes vertes, c'est des spaghettis normales, sauf que c'est une sauce verte. C'est parti pour manger vert pendant 24 heures. Faites pas attention au frigo, il est cassé. Donc j'en ai besoin d'épinards, de kiwis, de bananes, de miel, un peu de yaourt ou de lait. C'est comme vous voulez, c'est juste que pour le mien il sera un peu plus gros. Allez. Ouais. Je rajoute une petite barre que je vais mettre par-dessus, vous allez voir, pour le granola. Je sais que c'est pas vert, mais la couleur finale sera vert. J'ai vraiment peur pour les épinards. Attends, c'est du spinach ça? Ah merde, en plus je prends le même truc. Ouh là là. Bon, je pense que c'est assez. Il faut rajouter, bien sûr, un kiwi. Du yaourt de coco. Une cuillère à soupe de miel. On va le mettre au mixeur. Je veux pas qu'il soit trop liquide non plus. Une tasse verte. Comme ça, on a une barre. Je vais l'émietter
Franchement, c'était super rapide à faire et ça a l'air super bon. Donc, c'est parti. J'ai peur. En fait, ça a plus le goût de banane qu'autre chose. Vas-y, je suis choquée, c'est bon. C'est super bon avec le granola parce que ça rajoute un peu ce côté en croustillant. Si vous voulez un smoothie, je vous le recommande. Après, petite modification, je vous recommande de rajouter de la glace et de congeler vos bananes. Mais comme j'ai dit, mon frigo est cassé et on sent pas le goût de l'épinard. Cette première recette, je la note un 8 sur 10, un solide 8 sur 10. Franchement, le goût 7 sur 10, mais en fait, c'est incroyable parce que ça m'a calé jusqu'à la fin et trouver des bonnes recettes de petit déjeuner qui calent jusqu'à la fin, jusqu'à 13h, c'est super dur. Là, franchement, normalement, mon ventre, il fait gargouille, quoi. C'est super chiant. Et là, il a pas faim. C'est parti, on va faire à bouffer pour manger. Non. Donc, dans la recette, ils disent qu'il y a un avocat, baby spinach, 3 oignons, 1 en fait, du cilantro, de l'huile, toute seule, de la farine qui se lève toute seule. Et on n'avait pas de citron de vert, du coup on a pris du jus de citron vert. Ce bazar parce que le frigo ne marche pas. En plus, on a découvert que la moitié des ingrédients, on les avait pas. Donc ma mère est allée les acheter. Merci maman. Ils disent couper l'avocat. C'est beau ça, c'est beau. Comme ça. Waouh. Couper l'avocat, vraiment, c'est un petit plaisir. Ok. Oh. Je dois prendre 25 grammes de baby spinach. Ok, c'est bon. Je suis en train de détruire les feuilles là. Je me sens tellement mal. 4. Tout va bien. Par contre, je sais pas comment on coupe. Ah, l'odeur de la fraîcheur. Ah là là. Ah, cilantro. Et genre, il en faut la moitié d'un petit arbre là. Tout est vert, sauf l'oignon. Une cuillère à soupe d'huile, poivre et des tomates. Franchement, les tomates, c'est à vos préférences. Vous savez que les tomates, c'est un fruit. On mélange. Je vais couper un petit citron. Là, on va commencer avec le blender et on va prendre un œuf. Il faut rajouter ensuite une cup de lait. Clairement, on n'en a pas assez. Farine qui se lève toute seule, donc c'est une cup aussi. 75 grammes de épinards, mais j'appellerai pas ça des épinards. C'est bon. Et maintenant, il faut le mettre au mixeur. Franchement, ça a l'air bon. Je vais préparer les crêpes. Je vais mettre de l'huile. Ouh, ça fait des bruits bizarres, mais c'est vert, donc challenge réussi. Délicieux, vraiment super bon. C'était trop bon, on sentait pas tant le goût des baby spinach. Et en plus, avec l'avocat par-dessus, le cottage cheese, on fait découvrir des recettes. Toute ma famille a adoré. Petit kiff. Regardez, notre nouveau frigo, il est arrivé. Wouh! Maintenant, je peux filmer en tranquillité. Il vous flot. Ah voilà, c'est l'ail, c'est le truc qu'on utilise pour les vampires. Mais ça marche pas. Il vous faut du cavolo nero. C'est genre comme du kale, de la ricotta et du parmesan. C'est parti, on y va. Là, je vais juste mettre les pâtes dans une casserole. D'abord, on va couper notre petite ail. Je suis une pro. Comme ça.
Voilà. Et là, ça rien, ça à enlever. Grosse faux joie parce qu'en fait ça c'est des épinards et on veut pas des épinards dans nos pâtes. Non, on veut du cavolo nero. Bah tu rentres chez toi. Attends, ça c'est combien de grammes en fait? 100 grammes. Bon, bah on va prendre tout. Hein. Alors ça il faut le cuire. Ah mais merde, l'eau. Nous avons les pâtes et là nous avons le kale que nous avons ensuite mettre dans le blender. Dans le blender, ils disent de rajouter une cuillère à soupe d'huile et le parmesan, 30 grammes. 30 grammes de parmesan. Ah, c'est lourd. Je rajoute un petit peu de lait, du poivre et du sel. Alors là, c'est vert. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vert. Oh, on a nos pâtes. Ajouter un peu d'huile. Vous voyez cette couleur là? Il faut que j'ajoute un peu d'eau. Donc franchement, ce dernier repas, il était pas mal du tout. Très très bon. On sentait le goût du fromage. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'étais assez choquée. Comme vous pouvez voir, des fois j'ai rajouté l'eau, du lait, mais vraiment c'était super bon. En plus, ça m'a bien rempli. Si vous voulez reproduire cette recette que je vous recommande parce qu'elle est très simple à faire, ne rajoutez pas la ricotta. En fait, soit la mienne elle est pas bonne, soit en fait j'aime juste pas la ricotta, mais franchement non. Cette recette je mets un 9 sur 10. Déjà, qu'est-ce que je pense de ce challenge? C'était super parce que ça m'a fait découvrir plein de recettes, mais c'est super fatigant de cuisiner des plats non-stop. Cuisiner, vraiment, c'est un sport. Hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, personnellement, je ne sais pas parce que je filme ça avant la vidéo en elle-même. Mais bon, si oui, bah, pff, hein, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Quoi, si tu es nouveau, mais viens rejoindre cette communauté incroyable. Donc, je t'attends. Abonne-toi. C'est bon? Alors, bienvenue. On se voit la semaine prochaine. Adios.